Daniel sortit du ciné-club, la tête fracassée de bruit, comme si son crâne avait servi de gobelet aux cannibales des îles Salomon, comme si sa caboche avait été cognée dans les chin-chin barbares. Après les projections du ciné-club, dans l'incohérence des débats qui s'en suivaient d'habitude, il avait essayé d'exposer, lui, pour la première fois, ses idées neuves, originales, sur l'art du film. Et maintenant, ses propres phrases lancées dans la salle lui revenaient, alcoolisées et enivrantes. Le film me préoccupe pour autant qu'il y a en lui-même des possibilités de découverte, de progression continuelle. J'aime le cinéma lorsqu'il est insolent et fait ce qu'il ne doit pas faire. Aujourd'hui, un film peut entrer dans une histoire du cinéma parce que des types comme Griffiths, au lieu de laisser, ainsi qu'au début, l'appareil de prise de vue sur place et permettre aux acteurs de tourner autour, ont osé introduire le premier plan, c'est-à-dire le visage seul de l'héroïne en larmes, la simple partie du tout se développant monstrueusement sur l'écran au détriment de l'ensemble.